détection de jeunes talents. Une compétition qui a démarré il y a bien 2 mois déjà à Libreville. Et le week-end écoulé, c'est donc l'épilogue complètement, on va dire, des finales hommes et dames. Avec vous, Cédric, vous êtes un homme comblé, on va le dire quand même. D'accord. En principe, nous avons eu les deux finales, hommes et femmes. Avec la victoire de Star de Colo chez les hommes. Ça peut dire qu'avant la mort, c'est un peu. Star de Colo. Hein. Star de Colo. Voilà. Et Ombilan Zermi, l'OM, du côté des femmes. Donc Star de Colo qui a battu c'était Vitesse FC par 1-0. Non. ACA, ouais. Et l'OM qui a gagné par 4-0. Donc tout s'est passé très très bien. Les nombreux passages que nous avons effectués dans les différents médias, en l'occurrence au niveau du plateau ici, ont permis en sorte que nous ayons un maximum de personnes. Le stade était archi comble. Les gens arrivaient de partout. Donc il y a eu beaucoup d'engouement et notamment un grand retour derrière tout ça. Voilà, on va donc vous retrouver tout à l'heure pour la continuité de ce magazine, autant pour nous hein, d'être dans cette même mouvance des compétitions pour jeunes. La deuxième édition du tournoi de détection du centre de formation Samuel Eto'o, situé du côté de Nzengaïon.